Comment effectuer un calcul où il y a des multiplications, mélanger des additions et des soustractions? Bien, c'est plutôt simple, je vais calculer les multiplications avant les additions et les soustractions. Ici, il y a l'addition 2 plus 3, la multiplication 3 fois 8 et la soustraction 8 moins 4. Je vais donc calculer 7 multiplications en premier, 3 fois 8. 3 fois 8, ça fait 24. Ok. Donc je note 24 à la place de la multiplication 3 fois 8. Ce qu'il y avait devant, je le réécris. Ce qu'il y avait derrière, je le réécris. Maintenant, j'obtiens 2 plus 24 moins 4. Il y a donc une série d'additions et de soustractions. Et j'ai appris que je devais les faire dans l'ordre dans lequel elles se présentaient. Autrement dit, je calcule d'abord 2 plus 24. 2 plus 24, ça fait 26. Il ne reste plus qu'à écrire la soustraction qui reste à droite, moins 4, et à calculer 26 moins 4, ce qui donne 22. Voilà, c'est fini, je n'oublie pas de souligner.